plus ça passé, c'est plus Ariel Henry à gouvernement là a marqué point sous deux peuples haïtiens. Dans dernier jour ça là, il y a plusieurs réunions, gros réunions qui organisées que était en Haïti, que était l'autre bord de l'eau pour y rejoindre une entente, pour y rejoindre une solution à problème pays d'Haïti avec violence criminelle gang qui terrorise population. Mais est-ce qu'on te connaît dans toute violence criminelle gang qui terrorise population, il y a citoyens canadiens, il y a citoyens américains. Bien rete là. Puisque pays Canada annoncé là par bon côté payo, par bon la caille payo, gagne en pile gros sanction yo prévoit pour Canadiens yo suspect qui contribuer dans créer insécurité, dans faire zak malhonnête en Haïti. Rete là m'bral barou plus détail. Est-ce que pays Canada décide tout bon pour prendre tête intervention militaire là en Haïti? Qui a venu en composition ça? Combien de soldats dans qui ville yo pral déployer? Est-ce que qui objectif? Qui dure mission? Est-ce que li favorable pour gouvernement Ariel Henry en un moment là pour jouer une réponse positive sous demande de te faire communauté internationale pour voyer un support militaire en Haïti? Eh bien, gagne ambassadeur canadien Sébastien Carrière qui lui-même li bail position dans dossier si là. On pral jeune tout détail ça, toute information ça yo. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui hein, dans l'émission pour là mon éditorial avec Yannick. Nous pral parler pays, nous pral exposer différents points importants aujourd'hui hein, dans l'émission hein, qui pral bon yon idée de situation sociopolitique nan vivant dedans pays hein, sous des approches diplomatiques qu'on paquet le pays a fait là dans dossier haïtien, surtout dans ça qui vient pour avec demande d'intervention militaire gouvernement Ariel Henry a fait. Est-ce que dans jour qu'a venir là on a gagné pour nous recevoir déploiement en force militaire étrangère en Haïti? Préparons nous pour parler pays ou pour gagner toute information ça avec un pilote dans un petit moment. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter tous les jours à partir de 2h. Suivez sur votre channel Mon Éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Problème de sécurité, gang, violence criminelle qui gagne en deux dans le pays. Ça n'a vive pas bon la caille nous. Li pas seulement préoccupé gouvernement Ariel Henry en soi-disant, mais il y a un paquet de pays tant que États-Unis, Canada, qui chita qui a regardé ensemble comment yo ka aider haïtiens sorti dans insécurité, dans violence criminelle, dans instabilité politique dans vie jodiant là. Et bien, pays Canada fait qu'on est yo prend très au sérieux situation catastrophique. Problèmes à l'insécurité, violence criminelle, gang qui a terrorisé la population, ils prennent très au sérieux. Semaine passée, il y a eu une visite qui était organisée entre le secrétaire d'État américain Anthony Blinken avec le premier ministre canadien Justin Trudeau et dans la rencontre, il y a eu une ministre des Affaires étrangères canadien Mélanie Joly. Et bien, à partir de la rencontre, il y a eu une délégation que gouvernement canadien t'est voyé en Haïti. Au fait, c'est plusieurs délégations qui t'ont gagné pour y rentrer en Haïti, pour y venir faire des évaluations, venir rencontrer différents acteurs, venir rencontrer des mondes qui lient directement avec problème politique là, moun ki gen un port de responsabilité nan jere question sécurité en Haïti, pour yo évaluer situation et sécurité en Haïti, pour yo garder dans qui mesure possible yo ka aider PNH, dans qui mesure possible si Canada ta répond favorablement pour prendre tête et pour prendre tête intervention militaire là en Haïti, est-ce que ça ta porte résultat, est-ce que ça ta favorable pour peuple haïtien? Mais nous pas oublier États-Unis avec Mexique te mettez sous table une résolution qui t'a pral gagner objectif pour sanctionner chef gang yo ak tout commanditaire gang yo. Ça veut dire moun ki a financé gang yo ba yo moyen technique, ba yo l'argent, ba yo zam, vann yo bala munition pour yo terroriser population, pour yo créer un chaos généralisé en dedans tout pays. Canada t'a pral découvrir gagner plusieurs moun, gagner plusieurs nationalités, plusieurs catégories moun qui participaient n'a créé insécurité violence en Haïti. C'est pas seulement haïtien, c'est pas seulement ressortissant haïtien yo, mais parmi yo gagne canadien, gagne américain, gagne français, etc. Et bien ministre affaires étrangères canadien Mélanie Joly li décide
pour le prendre des sanctions. À travers la résolution ça qui vote en dedans Conseil de sécurité des Nations Unies, eh bien, ce n'est pas seulement couper visa, retirer visa des ressortissants haïtiens, nèg qui dans politique, nèg qui dans secteur privé, des affaires ou bien monde qui fait partie de société civile là qui en relation à gang, mais tout pas bon la caille pa yo dans pays pa yo, Canada dans moment n'a parler là. Eh bien, gouvernement fédéral canadien a décidé de prendre des sanctions contre des ressortissants canadiens qui ont estimé qu'ils ont un collimateur, qu'ils ont visé là, qui a participé à créer sécurité, qui a participé à créer stabilité, qui a une relation à gang avec bandits en Haïti. Eh bien, dans notre vue que le ministre des Affaires étrangères canadien, et Mélanie Joliot a participé aux coulisses du pouvoir, il a déclaré que impunité n'est pas une option pour yon au Canada. Question pourtant de en Haïti, ou tande, gen nèg ki nan pouvoir, gen nèg ki nan gouvernement, gen ministre non impliqué dans kidnapping, gen ministre non impliqué dans question trafic d'armes munitions dans le pays. Yo pas sanctionné en Haïti, mais li même pas bon côté pa yo, la caille pa yo. Question pour yon tande des citoyens canadiens impliqué dans créer instabilité, dans créer violence en Haïti, impunité par option. Et c'est une des raisons. Canada a décidé de mettre favorable avec résolution ça, que pays États-Unis avec Mexique prennent en question sanctionner gang en Haïti. Yo même yo monté à bord, yo choisi voter pour résolution ça, pour résolution appliquer, c'est parce que yo croit dans efficacité. Yo croit que résolution ça a capoté résultat. Donc, kounye a, c'est pas à bon côté par nous, la caille par nous, pour nous regarder comment nous ka mettre la justice en branle, comment nous ka réactiver le système judiciaire, le pouvoir judiciaire, là, pour le porter résultat. Puisque la caille par yo au Canada, yo même, yo gete préparé yo pour yo sanctionner des citoyens canadiens, canadiens qui ont relation à gang en Haïti, canadiens qui probablement yo estimé à travers enquête yo fait, qui gagne à cointes avec des hommes politiques en Haïti, qui a financé gang, qui a financé insécurité, qui campait des bandits en Haïti, yo même au Canada, yo prévoit sanctionner yo. Si au Canada, yo prévoit sanctionner Canadien, yo prévoit prendre des dispositions non seulement pour yo geler avoir yo, non seulement pour yo sanctionner yo de point de vue légal. En Haïti, qui ça nous décide de faire criminel par nous, avec bandits, avec cravates, qui ça nous décide de faire avec gang, ça yo, les gangs qui sont au pouvoir, qui ça nous décide de faire avec différentes personnalités, je dis en là, qui fait partie de pouvoir réel en rien, non, yo a cité dans scandale corruption, non, yo a cité dans violence criminelle en Haïti, qui ça nous voulait faire avec yo, qui ça nous pral faire avec yo. Donc, au Canada là, dirigeant canadien, yo, premier ministre canadien, Justin Trudeau, ministre affaires étrangères canadien, Mélanie Joly, yo rete kwe. Yo gen confiance dans résolution ça qui vote en dedans Conseil de sécurité des Nations Unies, qui pral sanctionner gang yo, qui pral sanctionner commanditaire gang yo, et yo rete kwe. À travers résolution ça, c'est une possibilité en plus pour Haïti, pour Haïtien, pour autorité, pour institution démocratique en dehors du pays nous, pour yon combattre violence en Haïti, pour yon combattre système corruption en Haïti, pour yon combattre question grand banditisme en Haïti, pour permettre à ce que population haïtienne non pour li vivre bien, moun sa yo qui rete en bas griffe sécurité, moun sa yo violence criminelle, violence gang, affrontement gang chaque jour ap détruit, a créé un inconfort, a créé une situation catastrophique dans le pays, une situation de crise humanitaire sans contrôle, sans précédent. Donc c'est le moment qui est estimé pour Ariel Henry à gouvernement là pour assumer responsabilité. Mais qui est Ariel Henry qui gouvernement? Au contraire, dans le moment ça, par rapport avec la situation ça qui gagne aujourd'hui en Haïti là, plus temps passé pour Ariel Henry, j'aime dire nous commençons pour l'émission, c'est plus Ariel Henry avec mon gouvernement là se tire au confortable. Plus temps passé, c'est plus Ariel Henry li mette la foi la communauté internationale, précisément dans pays États-Unis, li mette toute la foi pas bon côté changer d'affaires américain, changer d'affaires à Eric Sommerer, li mette la foi pas bon côté Brian Nichols, li mette la foi pas bon côté Anthony Blinken qui pral aider Kembe fonctionne là, qui pral aider le rete dans tête pays puisque ça a demandé Ariel Henry comme faveur, ça a demandé Ariel Henry pour le prendre comme décision. Ariel te prend. Il a demandé Ariel Henry pour le retirer subvention. Et d'ailleurs, c'est Brian Nichols qui te déclaré.
Une des raisons qui fait États-Unis continuer à supporter Ariel Henry, c'est parce que ont demandé à Ariel Henry pour retirer subvention à Gaza. Automatiquement, Ariel Henry retire subvention. Il fait au bon gré des États-Unis d'Amérique. Je dis à la qui ça nous attend en retour. Qui ça nous ka attend par rapport avec situation ça? Est-ce que objectif Ariel Henry c'est pas arrêter dans tes pays? Est-ce que objectif États-Unis c'est aider rétablir l'ordre démocratique tout bon alors que y a collaboré avec Ariel Henry qui pas respecté aucun principe démocratique, y a collaboré avec un gouvernement qui décrié, y a collaboré avec un gouvernement n'a pas Charles Barrière chaque jour. Qui ça nous ka attend de bon par bon côté États-Unis? Qui ça nous attend de bon par bon côté différents le pays qui fait partie de la communauté internationale en jodi en là qui fait partie de corps groupe qui a supporté gouvernement Ariel Henry qui a supporté pouvoir sanguinaire Ariel Henry dis bien plus passer 4 millions de ti moun pa ka l'école pour qui ça pour gaz plus passer 4 millions de ti moun pa ka l'école pour qui ça pour problème violence pour insécurité pour gang qui a terrorisé population. Si Ariel Henry était senti confortable dans l'intervention militaire étrangère, c'est parce qu'il estimait la police par mesure pour résoudre le problème d'insécurité. Et une des raisons qui fait la police par mesure pour porter une réponse rapide, une réponse drastique par rapport avec la violence criminelle qui gagne dans le pays, c'est parce que je dis à toute gang ça a terrorisé la population, toutefois les criminogènes ça autant de Badel Magon groupe gang. Petionville la boule douze groupe gang, Peigné groupe gang, Canaran groupe gang, Matissan groupe gang, autant de quoi des bouquets l'autre groupe gang, toutefois et différents fois et criminogènes ça yo. Cherchez qui est qui a tiré ficelle là, cherchez qui est qui a dirigé marionnette ça yo, cherchez qui est qui a influencé nèg ça yo pour terroriser population. Ou à comprendre est-ce que yon jou la police a en mesure vraiment pour résoudre problème insécurité, pour résoudre problème violence criminelle qui est en Haïti. C'est même acteur politique ça yo. C'est eux même qui a financé insécurité. C'est eux même qui a financé violence. Ou tant des présidents, ou tant des premiers ministres, ou tant des membres gouvernement, leur besoin à respecter une date officielle. Le bandit dit yo pa pralé, le gen opposition qui dit yo pa pralé, qui ça yo fait yo cherche une négociation. Yo cherche yo entente avec bandit yo. Yo cherche on laisser passer, yo cherche un couloir pour yo arriver à le faire si magrio, pour yo montrer yo gen autorité, mais en pile fois yo pas réaliser. Lo ba yo bandit 10 millions de goud, ou ba yo bandit 20 millions de goud, ou ba yo bandit 25 millions de goud. Li pa fait l'autre bagaille. L'argent ça pouvoir bailler goud bandit yo. C'est pour renforcer capacité technique yo. C'est zam yo à l'acheter, c'est bal yo à l'acheter. C'est plus alliance qu'a fait avec l'autre donc c'est plus territoire yo apprend parce que automatiquement nèg la gon puissance de feu, groupe gang yo gon puissance de feu. Yo gen zam, yo gen bal, yo paré pour yo bataille et kounye a l'opre la police qui sont force légale en dedans pays yo. Avec ce moyen yo gen des policiers qui gen bonne volonté pour yo combattre sécurité, pour yo combattre gang. Kounye a c'est pouvoir encore qui a bay bandi moyen pour acheter zam, bal pour venir battre avec policiers, pour venir assassiner policiers. Malgré la situation nous gen la jodi, faut me dire nous faut moins clair avec nous. Nous arrivons dans un moment côté que ou gon gouvernement là qui décrié, ou gon gouvernement qui pa gen aucune légitimité. Mais gouvernement Ariel Henry nous constatons dans ce moment-là son gouvernement qui est répressif. C'est même la police a, où elle a dénoncé des dérives qui ont passé. Dérives qui ont fait policiers ont subi. Mauvais traitement ont fait policiers ont subi. Mais c'est même policiers qui ont encore instrumentalisé pour faire répression sur le peuple. C'est même policiers qui ont instrumentalisé pour créer chaos dans la population, pour tout le petit peuple. Comment on va l'expliquer? Ou non, commissariat pour la sécurité? Journaliste a assassiné en dedans commissariat. Moun a pris balle en dedans commissariat. C'est même la police ça, c'est même policier ça a utilisé leur manifestation pour faire répression sur population. Moun kap manifester pour grand goût, moun kap manifester pour chômage, moun kap manifester pour sécurité en dedans pays. Mais gros bagay policier pour comprendre. Policier jusqu'à présent pour comprendre, c'est utilisé que le gouvernement Ariel, que le CSPN, que le état-major la police, c'est utilisé à utiliser. Parce que bandit, le pouvoir bay bandit l'argent, yon pas bay bandit. Yon pas bay bandit pour le faire silence, non? Yon pas bay bandit l'argent pour l'économiser. Yon pas bay bandit choisir régler salver à l'argent. Et l'argent, ça a pouvoir bay bandit, yon tourne contre la police.
Yo tournel contre policier yo. Jodi an fòk on policier refleche avant l'agi, avant ou joine l'ordre nan men commissaire, avant joine l'ordre ki sorti en dedans ou état major la police ki dou fè répression sou moun yo. Ba yo gaz, touye yo a gaz lacrymogène, tire bala blanc sou yo, tire bal réel sou yo, tire à hauteur d'homme sou yo, fò réfléchi. Faut réfléchir parce que ou sorti dans masse peuple là, ou sorti dans même dans mitan petite soyette yo, ou sorti dans même crasse, ou sorti dans même malabou. Jodi an gade Ariel Henry, gade au état major la police, gade différents nèg k'ap tire ficelle l'insécurité, gade si moun sa yo ou semblé avec vrai parce que yo même y a chercher identité yo nan qui est, y a chercher identité yo nan oligarque. Je dis que si nous considérons oligarques en dedans pays, ce n'est pas seulement un secteur privé pour nous prendre comme oligarque. Si nous cherchons des gens qui ont déstabilisé le pays, ce n'est pas seulement nèg sa ou dans le secteur privé, moun nous identifier comme si on libanais. Ce n'est pas seulement même qui oligarque. Nous ne pouvons pas être nèg tête green là, nous ne pouvons pas être nèg noël là, qui considèrent eux même comme oligarque tout. Parce que moun nan, jodi an la, l'opre de série de moun ki nan entourage ou, li assimile la avec et ti riche noir. Oh, li tellement sentil confortable, li tellement sentil gen pouvoir parce que ses amis ont mimis. Et puis soudain de avoisin bon la kali, la fèl monte le ciel pano, la fèl pas son calve, la fèl pas son menti. Moun sa l'pas différent de oligre kap kaze pays yo. Li pas différent de nèg sa ou ki mette des millions à terre sous table là pour déstabiliser pays yo, parce que yo a intérêt économique yo menacé. En Haïti, son bataille de pouvoir, son bataille nèg à l'argent qu'a fait. C'est pas bataille nèg à l'argent contre masse peuple, son bataille nèg à l'argent qu'a fait au détriment de peuple haïtien. Nèg à l'argent bataille nèg à l'argent et podcast en ce peuple haïtien qu'a payé. Jodi, faut que nous commencer comprendre, faut que nous commencer ouais clair. Bon, si Canada estime que l'insécurité qui est là, la violence criminelle qui est en Haïti là, des Canadiens qui impliquent, yo pare pour yo prendre sanction contre citoyens canadiens ça yo. Yo pare pour yo sanctionner yo, j'ai mandé. Pas de question impunité, impunité elle pas option. Négociable la caille pa yo. Pour qui ça nous même en Haïti? En Haïti nous pas décidé dans moment là des séries de nèg, des séries de nèg, des séries de membres dans gouvernement Ariel Henry, États-Unis retirer visa yo, yo couper visa yo, etc. Pour qui ça nous même nous pas profiter sanctionner nèg ça yo? On nèg tan Couberto Danse. Nan moment là, t'as supposé gon enquête kap. Gon enquête kap fait sou li. Gon enquête ki tanmen sou li, ap chèche ensemble d'éléments de formation. Pas trop loin là, pas trop loin nous là. Quelques mois de cela, scandale, cargaison zam pour de paix. Nous qui est-ce qui est impliqué, nous Couberto Danse. Ou pas de yon enquête. El style ministre de la justice. Li continue nan fonction nan poste comme ministre de la justice. C'est lui même qui a coordonné action justice en Haïti. C'est lui même qui a coordonné action commissaire du gouvernement en Haïti. Quelle honte! Quelle honte! Moi même ta commissaire du gouvernement, m'ta prend l'ordre. M'ta wa m'a prend l'ordre nan men Berto Danse nan moment là jamais. M'ta quitté fonction, m'ta remettre démission, m'aller. Parce que à un certain moment de la durée, si nous di nan bataille na bataille contre impunité, nous disons na bataille pour nous kembe, pour nous gon l'autre image de pays, nous disons na bataille pour nous mettre contre l'autre modèle justice, on l'autre forme justice, mais nous pas ka gon ministre, non ministre de la justice qui implique dans toute malpropreté ça yo, dans toute saleté ça yo, dans question corruption, dans question trafic d'âme, et puis comme si de rien n'était, il continue dans fonction, il continue à prendre décision, il continue à coordonner toute juridiction pays yo, il continue à passer commissaire gouvernement l'ordre. Des fois, je me demande est-ce que Muscadet est conscient de Baïza. Muscadet qui tout le temps l'a traqué bandit, pas de question impunité côté, pas de question bandit à taille bada, mais est-ce que c'est accusation? Il y a des gens qui ont accusation sous dos. C'est la justice qui peut blanchir, c'est la justice qui peut trancher. En Haïti, même accusation, nous ne prenons pas au sérieux. Il y a toujours douce buzz, il y a toujours douce diversion, il y a toujours douce monde qui parle ou intel. Oh, on reprend une persécution politique. Tout le monde en Haïti, c'est persécution politique. Et pourtant, l'autre pays, même, il y a travail. L'autre pays, il y a pensé comment il a aidé Haïti, comment il a sanctionné les gens qui contribuent à la violence en Haïti. Mais nous-mêmes, nous ne pas montrer notre volonté. Nous ne pas montrer notre volonté. Bon, dans le dossier intervention militaire en Haïti, question cap. Oui, question pile mon a posé dans moment là, est-ce que Canada l'a accepté pour prendre intervention militaire en Haïti en tout bon? Parce que c'est ça États-Unis voulait.
c'est tout rêve, c'est tout souhait département d'État américain, c'est tout souhait et secrétaire d'État américain Anthony Blinken pour le c'est Canada qui dans tête mission ça côté pral gain intervention militaire qu'a fait en Haïti pour aider PNH combattre insécurité gang violence criminelle. Gayen Sébastien Corrier qui c'est ambassadeur canadien en Haïti. Lui-même par rapport avec situation ça par rapport avec un paquet information qui a circulé, rumeur qui a circulé, lui t'a décidé et pour couper court avec toute information ça yo. Et qui ça qui dit qui ça Sébastien Corrier dit dans toute situation ça, dans toute information ça yo qui a véhiculé. Eh bien semaine passée, hein, pendant Anthony Blinken t'a rencontré avec Justin Trudeau au Canada, avec toute ministre des Affaires étrangères là, il t'a profité pour une délégation en Haïti. T'a gagné plusieurs délégations qui viennent en Haïti pour rencontrer avec et à qui de droit, pour rencontrer avec différents groupes monde qui concernaient avec question sécurité en Haïti, qui concernaient avec question politique en Haïti, monde qui cabaille et une idée de violence criminelle, yo monde qui ca expliquer aux différents foyers criminogènes yo connaît comment groupe yo opéré, comment gang yo opéré, etc. Yo te rencontré avec différentes personnalités. Maintenant, samedi qui se passe à la délégation, ça yo retourne au Canada. Yo retourne au Canada là, yo pral dresse un rapport. Dans rapport ça, yo pral bay ça yo gagné comme perception. Ambassadeur canadien lui-même lui déclarait que dans moment là à tout là élevé. Après évaluation qui s'est faite là, tout le monde attend bon, disons haïtien gouvernement Ariel Henry, États-Unis tout attend une réponse favorable parce que c'est ça yo vle, c'est Canada yo vle qui pour débarquer là pour venir prendre cette mission pour gérer tout ça qui vient pour avec intervention militaire là. C'est qui travaille réellement délégation te gagne pour le faire en Haïti. Équipe qui te gagne responsabilité pour le faire évaluation. Kounyan débarquer là Canada, tourner retourner Canada, yo commencer informer aux fonctionnaires yo, moun sa yo qui a gagné, qui te voyé en Haïti, qui a gagné pour décider est-ce que oui ou non Canada prend cette mission en Haïti. Yo pral commencer informer yo là, est-ce que gagne possibilité vraiment pour intervention en fait. Est-ce que gagne possibilité vraiment ça yo te attendre par bon côté gouvernement haïtien, notre cadre et enquête, notre cadre travail de coopération ce qu'a fait là, est-ce que gouvernement Ariel Henry yo paraît vraiment, est-ce que PNH paraît vraiment pour prendre collaboration, pour accepter collaboration, est-ce que peuple haïtien tout par rapport avec garantie gouvernement Ariel là baio là, est-ce que population, est-ce que leur mission militaire en débarqué, est-ce que on va pas monter sous récif, est-ce que peuple haïtien d'accord, est-ce que y a pas prouvé etc. Tout bagage ça yo fait objet de discussion, yo fait objet de évaluation. Mais qu'on y a côté problème là, c'est le fait que gouvernement Ariel Henry yo pas mettre peuple haïtien au courant de quoi que ce soit. On m'explique parce que si gagne une intervention militaire que nous mandé, au moins faut gagne faut bon lumière qui fait tout ça. Lumière dans qui sens? Population a attendu avec des explications. Et c'est un point faible gouvernement Ariel Henry. Et pas seulement gouvernement Ariel Henry. Il n'y a pas quatre autres gouvernements passés. Il n'y a pas bail et.